Bonjour et bienvenue à cette 9e capsule des Gémélicours, le cours prénatal pour futurs parents de jumeaux. Très heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de l'accouchement prématuré. Donc, comment ça va se passer, puis comment ça va se passer aussi en néonate. Et là, je tiens à dire que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut paraître déstabilisant, ça peut paraître intense aussi, ça peut provoquer des émotions aussi. Rappelez-vous que vous avez quand même 50% de chance de ne jamais vivre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le but de vous parler de ça aujourd'hui, c'est de vous préparer si jamais vous devez à le vivre. Parce que quand j'ai posé la question, quand j'ai créé les Gémélicours puis que j'ai posé la question aux parents de jumeaux, qu'est-ce que vous auriez voulu avoir dans une préparation prénatale? Beaucoup m'ont parlé de la préparation à vivre la prématurité. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Mais j'insiste, on a quand même un bon 50% de chance de ne jamais vivre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Fait qu'on prend ça quand même avec un grain de sel. On met ça dans sa petite poche, là, dans son coffre à outils. Puis on le ressort juste si on en a besoin. Donc, c'est parti, on y va avec l'accouchement gémellaire prématuré. Oh mon Dieu, j'ai oublié de faire ça. C'est pas mal mieux comme ça. Donc, c'est sûr que l'accouchement prématuré, c'est pas ce qu'on voulait, c'est déstabilisant. J'en ai parlé un peu dans la dernière capsule. Le lâcher prise est très important parce que on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, la nature se rend compte que les bébés sont mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur de la bédaine. Fait que de lâcher prise là-dessus et de ne pas trop s'en faire sur qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour me rendre à un accouchement prématuré, tout ça, c'est des fois, là, la plupart du temps, on ne trouvera jamais la cause de cet accouchement prématuré-là. Donc, il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules et le lâcher prise peut aider aussi à vivre cet événement-là de façon beaucoup plus positive et garder un beau souvenir de cette naissance-là parce qu'il reste que c'est la naissance de nos bébés puis on veut se souvenir de ce moment-là comme quelque chose d'agréable quand même. Vous avez quand même des droits. C'est pas parce que c'est un accouchement gémellaire prématuré que là, tout à coup, vous n'avez plus de droits. Exigez de prendre part aux décisions qui sont prises et faites savoir vos préférences parce que, bon, quand on attend un seul bébé puis qu'il n'y a pas de complications, bien là, il y a de la place pour nos désirs d'accouchement. Quand on accouche de jumeaux, il y en a un peu moins. Et quand on accouche de jumeaux de façon prématurée, bien là, il n'y en a presque plus d'espace pour ça. Alors, il faut faire l'effort de mentionner nos désirs, puis de lâcher prise aussi sur certains aspects. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et puis, de lâcher prise sur ce qui l'est moins. C'est sûr que ça va être un accouchement qui va être ultra médicalisé et la situation l'exige. Donc, c'est sûr que c'est pratiquement sûr qu'il n'y aura pas de peau à peau parce que les bébés doivent être très vite pris en charge. Par contre, on peut faire un petit joue contre joue rapide avant que bébé parte. C'est des choses qu'on peut demander. C'est certain qu'eux autres, ils vont vouloir que vous soyez pluggés en permanence sur le moniteur. Mais il y a moyen de moyenner quand même pour dire, écoute, moi là, je vis des contractions puis j'aimerais ça aller dans le bain une petite demi-heure. Ça se négocie. Tu sais, si les tracés des bébés sont beaux, c'est pas parce que c'est un accouchement prématuré que là, tout d'un coup, vous n'avez plus le droit de gérer votre douleur comme vous le voulez. Donc, ayez pas peur de mentionner vos désirs puis de négocier avec l'équipe en place. Il y a des fois des équipes qui sont plus slack que d'autres. Slack dans le sens de... c'est très québécois cette expression-là, je me rends compte. Là. Plus souple que d'autres. Donc, voilà.
On peut penser que la césarienne va être d'emblée pour des gémellaires prématurés, mais ce n'est pas le cas. Et ça, même si le premier bébé est en siège. Le bébé, il va être tout petit, donc ça passe généralement très bien. Ça va vraiment dépendre de la grosseur du bébé, de l'âge gestationnel, puis le tracé des bébés. Dans certains cas, l'accouchement prématuré va être moins risqué si on le fait naturellement que par césarienne. Il y a plusieurs facteurs de risque, puis là, il y a tout un calcul qui doit être fait, qui est fait par le médecin pour savoir est-ce que c'est vraiment mieux une césarienne ou l'accouchement naturel. Ça va vraiment être du cas par cas, puis ça va dépendre de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs. Pour le reste, ça se passe comme un accouchement normal, sauf que des fois, il n'y a pas de douleur aux contractions. Donc, tu sais, quand je parlais dans la dernière capsule que le ventre qui devient dur à intervalles réguliers, ça peut faire travailler le col, bien c'est ça. C'est que des fois, un accouchement prématuré, bien, il n'y aura même pas de douleur. La poussée va durer moins longtemps aussi parce que le bébé est plus petit, donc il va passer plus facilement. Et la dilatation du col, normalement, il doit se rendre jusqu'à 10 cm pour laisser passer le bébé. Et là, vu qu'il est prématuré, ben si la tête passe à 8 cm, ben ça va être à ce moment-là que la naissance va avoir lieu. Donc souvent, les accouchements prématurés vont se passer très rapidement. De là, l'idée d'être encore plus attentif aux signes d'accouchement prématuré. J'en ai parlé, les protocoles sont plus nombreux et moins flexibles pendant un accouchement prématuré, mais il y a quand même une flexibilité qui est là. Il y a beaucoup de personnes lors de la poussée, donc surprenez-vous pas de ça, parce que là, ça prend une équipe de réanimation par bébé, puis une équipe aussi pour la maman, et ça fait que dans la chambre, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de personnes, puis des fois, il y a des étudiants en plus. Cela dit, même si c'est un hôpital universitaire, vous avez le droit de dire « là, il y a assez de monde, je ne veux pas d'étudiants ». C'est un droit que vous avez, même si c'est un hôpital universitaire. Les bébés sont vite pris en charge, comme je le disais tout à l'heure. Ils partent pour la néonate la plupart du temps parce qu'ils sont prématurés. Le papa peut les suivre, mais là, à ce moment-là, la maman se retrouve toute seule. Et là, ça fait beaucoup d'émotions à gérer quand on est tout seul. C'est une bonne idée d'avoir une accompagnante à la naissance. C'est une bonne idée d'avoir une accompagnante à la naissance pour peu importe quel type d'accouchement, mais encore plus quand on a affaire à un accouchement prématuré. Pardon. Des fois, la première rencontre a lieu 30 minutes à 2 heures après la naissance. Si les bébés sont pas stables et qu'ils ont besoin de réanimation, ben ça peut être long avant qu'on les rencontre pour la première fois. Donc, faut pas se surprendre de ça. Pour ce qui est des complications de la prématurité, là, c'est la section qui peut faire peur un peu. Si vous êtes le genre de personne qui ne veut pas savoir ce genre de choses-là, avancez la vidéo, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes pour qui c'est vraiment important de savoir ce qui les attend. Donc, c'est l'inconnu qui fait peur. Donc, c'est pour ça que moi, j'en parle aujourd'hui. Pour les gens pour qui c'est important d'éliminer le plus d'inconnus possible. Cela dit, c'est pas parce que vous avez des bébés prématurés que vous allez vivre toutes les complications que je vais nommer. C'est des risques de complications. Okay? Ça veut pas dire que ça va arriver. C'est pas un lien, là. Donc, une des grosses problématiques des bébés prématurés, c'est les apnées et autres difficultés respiratoires. Apnée, c'est quand ils arrêtent de respirer. C'est pour ça qu'ils ont souvent besoin d'aide pour la respiration, à cause des poumons qui ne sont pas mûris là, à point. Là. C'est pour ça qu'on donnait la bétaméthasone pour faire mûrir les poumons. Un autre problème qui vient souvent, c'est les bradycardies et autres troubles cardiaques. Bradycardie, ça veut dire que le cœur qui bat moins vite, qui bat pas assez vite. À l'inverse, c'est tachycardie, donc le cœur qui bat trop vite. Les hémorragies cérébrales, c'est des choses qui arrivent assez souvent chez les prématurés, donc c'est un risque qu'il y a là.
C'est une des raisons pourquoi, des fois, on va préférer la césarienne pour éviter que la tête passe dans le canal vaginal, pour empêcher qu'il y ait des pressions. Mais encore là, c'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment des situations. Puis c'est vraiment le médecin là, qui va évaluer qu'est-ce qui est mieux comme naissance pour éviter là, ces hémorragies cérébrales-là. Puis il y a plusieurs grades d'hémorragie cérébrale. Donc, il y en a des moins graves, il y en a des plus graves. Il y en a 4 grades. J'entrerai pas dans les détails à ce niveau-là, mais dans mon livre, j'ai toutes les informations. Donc, j'ai mis ça en annexe pour ceux pour qui ils veulent rien savoir de ça. Donc, c'est en annexe, pas besoin de le regarder. Pour ceux qui veulent avoir l'information, je les ai mis en annexe dans mon livre. Un problème de la prématurité, ben, c'est l'immaturité des organes et des systèmes en général, dépendamment d'à quel âge gestationnel ils naissent. Donc, ça peut engendrer des problématiques plus ou moins importantes. Le décès, c'est un risque de la prématurité. Ça fait partie de la prématurité, mais ça ne veut pas dire qu'un bébé prématuré va décéder nécessairement. Ça fait partie des risques. Alors, comment ça se passe en néonat? On voit ici sur l'image, là, ça c'est des espèces de petits lits de réanimation, des tables chauffantes en fait. Il existe trois stades de néonat. Donc, il y a la néonat de soins intensifs. Ça, c'est quand les bébés ont besoin d'aide respiratoire la plupart du temps. Ils vont être en soins intensifs. En général, si je me souviens bien, c'est 1 ou 2 bébés par infirmière gros max. Cela étant dit, souvent, pour les jumeaux, ils vont donner une infirmière différente pour chaque bébé pour pas qu'il y ait de mélange. Donc, ça se peut qu'ils soient à 2 endroits complètement différents de la néonate de soins intensifs. On peut demander à ce qu'ils soient réunis une fois de temps en temps. Souvent, même, il faut insister pour ça et c'est une bonne chose parce que... souvent, on se rend compte que quand les bébés, les jumeaux sont collés ensemble, il y a moins de bradycardie, il y a moins d'apnée, il y a moins d'événements, ils se stabilisent mieux, ils gardent mieux leur chaleur. Donc, si pour une raison administrative, les enfants sont séparés, vous avez le droit de demander à ce qu'ils soient mis ensemble une fois de temps en temps pour leur bien-être. Les soins intermédiaires, ça, c'est quand on a besoin, on n'a plus besoin d'aide au niveau respiratoire, mais que l'état du bébé n'est pas encore assez stable pour sortir de la néonate. Ensuite de ça, on a la pouponnière. La pouponnière, c'est un endroit où les bébés vont quand la maman a eu son congé. Si la maman n'a pas encore eu son congé, bien, après les soins intermédiaires, le bébé va dans sa chambre à elle. Si la maman a eu son congé, bien là, il n'y a pas de chambre pour le bébé, donc le bébé va en pouponnière. En général, quand un bébé a passé en soins intensifs, il doit passer en soins intermédiaires, puis après passer un certain temps en pouponnière avant d'avoir son congé. Donc, c'est comme les 3 étapes avant d'avoir son congé. Il faut qu'il aille passer un certain temps en pouponnière, puis qu'il n'y ait pas eu d'événements, des bradycardies ou des apnées ou des choses comme ça, pendant un certain nombre de temps avant d'avoir le congé. Le congé, en général, il va avoir lieu au moment où ça ferait 40 semaines qu'il serait dans la bédaine. Donc, s'il naît à 22 semaines, ben, il va rester à l'hôpital de 22 jusqu'à ce qu'on arrive à 40 semaines. Ça, c'est ce qu'on dit en général. Ça se peut qu'il rentre plus tôt, okay? Mais gardez en tête que si le bébé naît à 35 semaines, ça se peut qu'il reste un bon 4 semaines. Mais ça se peut aussi qu'il reste juste 2 semaines. Mais il faut garder en tête que c'est un bon 4 semaines normalement. Là, quand on rentre dans une néonate de soins intensifs, de soins intermédiaires, on voit qu'il y a beaucoup de machines qui est collé à notre bébé et ça peut être très impressionnant, ça peut être très déstabilisant. Alors moi, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais essayer de dédramatiser un peu chaque machine et vous expliquer
leur rôle à ces machines-là. Et là, en connaissant leur rôle, bien, on dirait que ça rend les choses moins impressionnantes, moins dramatiques. Parce que, tu sais, on a souvent cette image-là là, de si je débranche le fil, le bébé va mourir. Là. La plupart des fils qui sont là, c'est des fils pour prendre des mesures. Donc, c'est pas quelque chose de vital, à part l'aide respiratoire, qui là, elle, est vraiment importante. Tous les autres fils, c'est en général pour prendre des mesures. Donc, si on l'accroche, c'est pas plus grave que ça. La machine va faire bip, 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 là, mais tu sais, le bébé, lui, il sera pas en danger en tant que tel. Là. Fait que, tu sais, faut pas avoir trop peur de prendre le bébé, même s'il est plein de fils. Donc, l'incubateur, ça, c'est une petite boîte comme en plexiglas, dans le fond, dans laquelle on met le bébé pour qu'il garde sa chaleur. Souvent, les mamans, ils amènent des pyjamas prématurés, puis ils veulent leur mettre des pyjamas, mais quand ils sont en incubateur, on les laisse en couche, parce que de toute façon, l'intérieur est gardé chaud, puis on veut voir la coloration de la peau, on veut voir la respiration du bébé, on veut voir le corps du bébé. Achetez pas trop de pyjamas prématurés, ça sert pas à grand chose. La table chauffante, ça c'est ce que je vous ai montré dans l'autre PowerPoint, dans l'autre image. C'est souvent là-dessus qu'on fait les soins. Il reste pas sur la table chauffante tout le temps, c'est plus un incubateur dans lequel il va rester. Il y a le moniteur cardio-respiratoire. Dans le fond, c'est un moniteur qui est plugué sur la peau, qui est collé sur la peau pour avoir les battements de cœur. Ça peut être aussi une pince. Pas la pince pour le pouce pour les enfants, non, c'est pas vrai. C'est sur le talon. C'est comme une espèce de petite lumière qui est mise sur le talon. Et là, on peut voir aussi la concentration en oxygène. Il y a les moniteurs d'apnée aussi qui sont là pour nous avertir quand le bébé arrête de respirer. Ces machines-là sont très, très, très sensibles, OK? Et ils crient tout le temps pour rien. Fait que vaut mieux qu'ils crient pour rien qu'ils crient pas au moment où ils doivent crier, là. Mais des fois, c'est dur sur le système quand la machine se met à sonner très souvent. Un tensiomètre, ça c'est pour vérifier la tension artérielle, c'est un petit truc autour du bras ou de la jambe du bébé pour voir la tension. Le saturomètre, c'est ce que je vous parlais, là, la petite lumière sur le talon. Le soluté, la pompe de soluté, ça c'est pour garder les bébés hydratés, puis des fois ils sont pas capables de se nourrir. Alors, on va leur mettre un soluté. Et les bras des bébés sont très, très petits. Les veines aussi sont très petites. Donc, ça ne sera pas comme nous sur la main ou sur le bras. Ça va être sur la tête. Ça peut paraître impressionnant, avoir une aiguille comme pluguée dans la tête. Mais l'aiguille, elle ne reste pas là. Hein. C'est juste le petit cathéter qui reste là. On prend une aiguille pour le rentrer dedans, mais on enlève l'aiguille et on garde le cathéter. Donc, ça le fait pas mal. C'est vraiment... C'est comme nous sur le bras. C'est juste que c'est plus facile sur la tête. Des fois, il peut avoir un cathéter vésical, donc un petit tube qui est rentré dans l'urètre pour amasser l'urine, dans le fond. Des fois, il y a des drains qui sont installés. Si, mettons, il y a eu une hémorragie cérébrale, tout ça, pour faire sortir les liquides. Des fois, on a besoin d'un respirateur. Ça, c'est quand le bébé n'est pas capable de respirer par lui-même, on va mettre un respirateur. Il y a le CPAP. Ça, c'est un peu la même chose comme ceux qui font de l'apnée du sommeil. Là. C'est un truc qui se met sur le nez et qui envoie une pression pour comme forcer la personne à respirer par elle-même. Donc, souvent, un bébé qui a eu le respirateur va passer par le CPAP avant de ne plus avoir rien du tout, mais pas toujours non plus. Et il y a la lunette nasale. Ça, c'est un petit tube qu'on met en dessous du nez qui va envoyer de l'oxygène, mais le bébé respire par lui-même. Donc, c'est comme trois étapes. Le respirateur, le CPAP, la lunette nasale. Trois aides à la respiration qui sont de différentes intensités. On n'a pas les trois en même temps, évidemment.
Tube et pompe de gavage, ça passe par le nez et ça va dans l'estomac parce que des fois les bébés prématurés sont trop petits pour téter, ça les épuise trop. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lait de la maman qu'elle a tiré et on va le mettre dans une seringue et on va le mettre dans le tube qui va aller dans son estomac. Ensuite de ça... des fois, les bébés vont avoir besoin d'une tente à oxygène. Donc, c'est comme une espèce de casque d'astronaute. T'sais. C'est comme une espèce... Puis à l'intérieur, il y a 100% d'oxygène. Là, donc, il y a pas de danger. Là, mais des fois, on a l'impression, « Ah, mon Dieu, ils ont mis un sac sur la tête de mon bébé. » Mais c'est une tente d'oxygène. Des fois, les bébés font une jaunisse, alors il faut faire un traitement avec une lampe de photothérapie. Et là, on va bander les yeux des bébés pour les protéger des rayons UV. Puis, on va mettre la lampe sur les bébés pour qu'ils prennent un peu, qu'ils reprennent du mieux dans le fond. Et on peut avoir une perte de température aussi. Encore là, c'est un petit machin qui est collé sur la peau. Et ça prend la température en temps réel. Dans le fond, on n'est pas obligé de déranger le bébé tout le temps pour prendre sa température. C'est une des raisons pour qu'on plug les bébés aussi, c'est parce qu'on ne veut pas les déranger, parce que les bébés prématurés, ils ne veulent pas être trop stimulés, parce que dans la bédaine, ils ne sont pas stimulés. Donc, on veut qu'ils continuent leur croissance en étant le moins dérangé possible. Donc, la perte de température va faire en sorte qu'on va voir sa température en temps réel et on n'aura pas besoin de le déranger pour ça. On voit ici une image là, du petit bébé qui a les yeux bandés avec la lumière bleue, donc ça c'est de la photothérapie. On voit ici en bas un bébé avec le saturomètre là, sur son pied. Il a l'air à avoir dans le nez un tube de gavage, mais je ne suis pas certaine. Enfin, c'est un exemple de comment un bébé peut être plugger un peu. Donc, ça fait le tour des affaires qu'il y a autour d'un bébé prématuré. Donc, ça a l'air d'être gros, ça a l'air d'être intense et ça fait un choc émotif la première fois qu'on voit son bébé plugger partout comme ça. Mais dites-vous que chaque appareil, comme je vous dis, c'est surtout des appareils de mesure et à part le respirateur, il n'y a rien de vital vraiment là. En néonat, il y a beaucoup de tests qui sont faits de façon routinière. C'est comme tous les tests, vous avez le droit d'en refuser, vous avez le droit d'en demander. L'important, c'est de discuter avec les équipes puis qu'ils vous expliquent comme il faut qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, puis et vous de poser les questions pour bien comprendre. C'est comme je viens de vous dire, là, on a le droit de dire non ou d'en demander. Gérer les émotions dans un accouchement prématuré, c'est quelque chose d'énorme. Le choc de l'accouchement est très gros. Souvent, les parents vont parler d'un coup de tonnerre, de quelque chose qui arrive de nulle part puis qui surprend. Donc, c'est vraiment un choc. Il y a le choc aussi de la première rencontre qui peut être très forte. Comme je vous l'ai dit, quand on voit le bébé plugger pour la première fois, ça peut être très intense. Dans tout ça, il y a le rôle du messager du papa parce que souvent la maman va être dans son lit et n'aura pas le droit de sortir tout de suite de son lit, de sa chambre. Et le papa va faire des allers-retours. Je dis papa, mais ça peut être conjointe, ça peut être conjoint, là, peu importe. Là. Va faire des allers-retours pour entre la pouponnière, pas la pouponnière, mais la néonate et la chambre de maman pour apporter un petit calepin et un crayon. Prenez des notes parce que souvent, les infirmières nous disent des choses, puis là, on oublie, puis là, on veut le dire à la maman, puis on a tout oublié. Donc, petit calepin, ça peut vraiment aider. Il y a un sentiment d'irréalité quand ça arrive, l'accouchement prématuré. On se dit, mon Dieu, j'ai l'impression que ça a passé trop vite, j'ai l'impression que c'est pas réel, que c'est pas vrai, que c'est pas mon bébé. C'est normal, OK? Tout ça va retarder un petit peu l'attachement, mais c'est OK, c'est normal. Puis, c'est avec
les expositions au bébé que tranquillement le sentiment d'attachement va se faire, le sentiment d'irréalité va se dissiper. Cela dit, si ça devient trop fort, si c'est trop intense, n'hésitez pas à demander de l'aide aux infirmières, aux médecins. Il y a des psychologues sur les étages des maternités où est-ce qu'il y a des néonates. N'hésitez pas à prendre ces services-là. Ça peut vraiment vous aider à passer le choc. C'est vraiment... Il y en a certains qui vivent ça comme un choc post-traumatique, là. Donc, il y a un peu les mêmes étapes pour s'en sortir, entre guillemets. Donc, c'est important d'en parler puis de normaliser un peu ces étapes-là puis de se rendre compte que c'est normal. Puis, comme je vous dis, l'attachement, au début, vous avez l'impression que c'est pas votre bébé, mais ça va venir. Okay? Il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de digérer ce qui vient de se passer puis se donner le temps de prendre contact avec ce bébé-là qu'on n'ose pas toucher tellement il y a plein de fils et tout ça. Je répète, vous avez 50% de chances de ne jamais vivre tout ce que je viens de vous dire là. Okay? Gardez ça en tête, n'oubliez pas. C'est ce qui met fin à la capsule sur l'accouchement prématuré et la prématurité en général. J'espère que je ne vous ai pas trop troublé avec ces informations-là. Si vous avez des questions, si vous avez envie de jaser, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par courriel ou encore par Facebook. Je suis disponible. Vous pouvez laisser un message aussi en dessous de la vidéo. Si vous voulez contribuer à la chaîne, je vous invite à venir faire un petit don sur Utip. Ça aide les créateurs de contenu comme moi à vivre, dans le fond, à vivre de notre travail qu'on fait. Vous pouvez aussi acheter le livre qui est sur blurb.ca, c'est de l'impression à la demande. J'ai pas une cargaison de livres là, à passer. Là. C'est vraiment, on commande, il l'imprime et vous le recevez par la poste. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été là pendant ce bloc-là sur la prématurité. La prochaine capsule, on va parler encore un petit peu de prématurité, mais on va surtout parler du moment. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour naître pour des jumeaux? Est-ce qu'on doit provoquer ou pas? Donc, c'est ce dont on va parler. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt!